Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel Opium Découverte avec un jeu de plateforme. Et oui, désolé, j'aime beaucoup les jeux de plateforme, mais là par contre, je suis pas content. Alors, on a le droit de faire des clones de jeux existants, mais attention, mesdames, messieurs, les développeurs, il faut le faire bien, parce que sinon, moi, je vais plus pirater vos jeux. Bref, aujourd'hui, je vous propose Troubles Land. Il s'agit bel et bien d'un clone de Rayman, c'est évident, mais en vachement moins bien réussi. Disponible sur PC, Mac et Linux, développé par Hangsoft, le jeu est sorti ce 11 septembre 2015. On commence le jeu en incarnant Case, qui doit délivrer ses copains de monstres et de petites bébêtes à travers 6 mondes jouables composés de 6 niveaux chacun. Au fur et à mesure que l'on délivre nos copains, ceux-ci sont jouables. Alors c'est juste une différence de chara-design, puisque le gameplay reste exactement le même pour chaque personnage jouable. Aucun intérêt donc. Troubles Land propose un jeu en 2,5D de la plateforme, calquant son gameplay sur Rayman. Les mouvements sont assez similaires, le level design également, on récupère des cristaux à travers les niveaux, ressemblant eux à des looms, on délivre nos copains enfermés dans des cages, on peut ricocher sur les parois, des bumpers nous projettent, certains ennemis meurent en faisant une grosse boule avant de s'envoler, on donne des coups d'épée en sautant de la même manière que Rayman donne des coups de pied, les animations sont assez similaires, sauf que dans Troubles Land, c'est beaucoup moins bien animé. Tous ces détails de gameplay font véritablement penser à un Rayman, alors je parle bien sûr des Rayman les plus récents, Origins et Legends. Le jeu Troubles Land se prend facilement en main, c'est très intuitif, le jeu comporte quelques bugs, surtout des problèmes de hitbox, avec les ennemis qui nous tuent, on ne sait pas trop pourquoi, le saut se déclenche pas toujours quand on le veut, alors c'est assez aléatoire et c'est bien dommage, c'est frustrant et assez casse-pied. Les cristaux sont souvent à mi-hauteur, nécessitant un mini-saut pour les atteindre, seulement voilà, notre laps de temps dans les airs est très flottant et peu maniable, on rate facilement des cristaux par cette mauvaise jouabilité. Pas grave, puisque quand on meurt, tous les cristaux réapparaissent, on peut faire demi-tour pour aller les chercher, ou continuer le niveau tout simplement. Quand on finit un niveau, une petite pyramide compte nos cristaux, et on obtient 3 gros cristaux, qui ressemblent encore une fois à la fin des niveaux de Rayman. La musique aussi est fortement inspirée de Rayman, c'est plutôt enjoué et amusant comme musique, mais beaucoup trop répétitive, surtout quand on a la musique du mec qui siffle 5 notes en boucle, ça saoule assez vite. Mis à part ça, le jeu comporte des graphismes plutôt réussis dans une 2,5D, les décors et les environnements entre les différents mondes sont assez variés, ce qui est plutôt un bon point. Les ennemis rencontrés sont par contre un petit peu bidons, manquent cruellement de charisme et d'animation. 6 mondes de 6 niveaux, en gros vous en avez pour une bonne après-midi pour le finir. Si vous n'avez pas réussi à finir Rayman à cause de sa difficulté, Troubles Land saura vous ravir par son manque de challenge, les vies étant illimitées, les checkpoints sont très nombreux. Le jeu manque donc d'originalité, manque d'imagination, les mécaniques de jeu ne vous surprendront pas si vous connaissez déjà Rayman, puisque ce seront exactement les mêmes, mais je crois que vous avez compris. Alors le jeu est tout de même sympa, c'est jouable, c'est pas trop dur, mais je trouve qu'on s'ennuie assez rapidement à cause du manque de surprises. Sur Steam, le jeu est à 12,99€ et actuellement avec 20% de rabais, mais franchement je trouve que ça les vaut pas du tout. Le jeu a reçu pas mal de bons avis et de bonnes critiques, mais perso il m'a un peu déçu et je le conseille pas du tout. Bref, ainsi s'achève cette Opium Découverte. Merci de l'avoir suivi, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !